Bienvenue à tout le monde dans Astuce Yannicko. Dans cette vidéo, je vous montre comment quitter des 1, 2, 3, 4%, etc. jusqu'à 100% sans tout former avec son téléphone en charge. Et je vous aussi montrer comment faire pour la désactiver de votre téléphone. Bon, pour ce faire, nous devons tout d'abord aller dans paramètres du téléphone. Nous allons dans paramètres du téléphone. Nous voyons paramètres du téléphone là. Et nous cliquons sur paramètres du téléphone. Cette page va s'afficher et nous cherchons maintenant système dans paramètres du téléphone. Et qui est là, nous cliquons sur système. Alors maintenant cette page va s'afficher où nous allons voir toutes ces options. Et là où nous devons cliquer maintenant, c'est à propos du téléphone. Bon, quand nous allons cliquer à propos du téléphone, quand nous allons partir maintenant activer l'option que nous devons activer, cette option va venir s'afficher dans cette fenêtre ici. Bon, je vais vous montrer. Nous cliquons d'abord dans à propos du téléphone. Et cette fenêtre va s'afficher où nous devons cliquer d'abord sur numéro de but. Nous cliquons sur numéro de but pour activer cette option. Nous devons la cliquer à plusieurs reprises, comme nous le faisons maintenant. Bon, et maintenant, pour cliquer sur la dernière fois, on va vous demander un schéma ou un mot de passe. Et moi, je mets mon schéma. Si vous avez un mot de passe sur votre téléphone. Bon, on dit maintenant, vous êtes désormais un développeur. Donc, c'est l'option de développeur que nous devons activer. Et maintenant, ils ont ici en bas, nous voyons maintenant cette option-là qui a augmenté de cette fenêtre. Nous cliquons maintenant là sur option des développeurs. Et maintenant, nous cherchons maintenant mode démo qui est juste ici. Mode démo, nous cliquons maintenant sur mode démo. Et maintenant, cette fenêtre va s'afficher où nous voyons ces deux barres d'activation. Ou quand nous allons activer le mode démonstration, nous activons là comme ça. Et le mode affichage va aussi s'afficher. Et regardez bien la barre de pourcentage de mon téléphone. Regarde ce qui va se passer. J'active la barre de pourcentage de mon téléphone. J'active et la barre de pourcentage de mon téléphone part directement à 100%. C'est comme ça qu'on fait pour que son téléphone quitte de 0, de 1, de 3, de 2, etc. jusqu'à 100% sans le mettre en charge. Et cette technique est très pratique lorsque vous n'avez pas de chargeur. Moi, je l'utilise souvent très constamment. Surtout, bon, comme je suis dans une région où on coupe très, très souvent la lumière, bon, c'est comme ça. Nous voulons option de peu. Si vous voulez utiliser la batterie comme vous le voulez et la batterie reste toujours intacte. Bon, comment maintenant faire pour désactiver option de développeur? Pour désactiver option de développeur, nous restons toujours dans paramètres du téléphone et nous cliquons toujours dans système du téléphone. Et nous partons toujours dans option pour les développeurs. Et on dit ici activer et désactiver. Quand vous allez activer, quand vous allez cliquer sur activer directement, ça va se désactiver. Et quand vous cliquez sur désactiver directement, ça va s'activer en vous disant certaines suggestions. Bon, et ne désactivez jamais sans toutefois d'abord partir désactiver le mode démo. On doit d'abord désactiver le mode démo. Nous désactivons d'abord le mode démo avant de rentrer derrière. Partir maintenant désactiver option pour les développeurs. Ne faites jamais cette erreur. Jamais. Et maintenant, en rentrant maintenant, vous allez voir l'option des développeurs va disparaître tout seul. Je dis bien tout seul. Vous voyez, l'option des développeurs a disparu tout seul. Et si vous voulez encore l'activer, vous partez simplement ici là et vous faites exactement ce que j'avais dit. Alors, et ça va s'activer et vous partez activer mode démonstration. Et maintenant, votre téléphone va partir à 100%. Et c'est comme ça que nous faisons pour activer le mode démonstration pour que le téléphone parte directement à 100%. Moi, je ne le laisse pas uniquement parce que mon téléphone est chargé. Quand je vois que mon téléphone est dans les 15%, les 10%, je l'active immédiatement sans réfléchir. Et là, maintenant, mon téléphone peut passer une journée sans se décharger. Non, ça ne veut pas aussi dire que la batterie ne peut pas se décharger. La batterie peut se décharger, mais pas si peut-être votre batterie pouvait faire même 2 heures avant de se décharger. Si peut-être c'était à 15%, ça devait faire 2 heures. Ça fait même
peut-être une journée avant d'essayer de charger. Si votre téléphone ne peut pas faire ça, c'est que mon téléphone, moi, il peut bien le faire. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous remercie beaucoup. Si vous a plu, mettez-moi un pouce bleu. Ça serait très sympa de votre part et très gentil. Merci beaucoup. Et n'oubliez pas de vous abonner, s'il vous plaît, afin d'augmenter mes abonnés. Et pitié-moi afin d'augmenter mes abonnés, s'il vous plaît. Et de cliquer sur la cloche de notification. Merci à tous. Je vous